On se trouve aujourd'hui donc dans le jardin de Sylvie, spécialement ouvert en nocturne et mis en lumière par vous-même. Oui, voilà, l'idée est venue une après-midi, moi ayant l'habitude, la passion de réaliser des lumières, de mettre en valeur des espaces pour des festivals, des événements musicaux ou autres. Je me suis dit, pourquoi pas, Sylvie, pourquoi pas chez toi, c'est joli, ton jardin est correct, on pourrait peut-être apporter une touche de lumière de nuit. Alors pourquoi pas, on s'est lancé dedans, on a décidé de ça il y a à peine 3 semaines et j'ai préparé ça en une petite semaine de boulot, les soirs après le travail, afin d'essayer de rendre un autre univers, de rentrer dans un autre imaginaire ici à Pont-à-Mousson. Il y a déjà des structures créées auparavant dans le cadre d'autres festivals. Et ensuite, il y a tout ce qui a été fait spécialement pour ce jardin, pour mettre en valeur ce lieu qui est déjà très très beau de jour. Donc en même temps, le boulot n'était pas complètement difficile, justement par la beauté du site. Après, quand on part déjà sur quelque chose de très joli, on y apporte sa touche de couleur. Des choses spéciales que tu as utilisées ? Alors, j'utilise dans mes créations beaucoup, essentiellement, de bois flotté. C'est la base de mes travaux, mais avec ça, j'aime beaucoup la ferraille. Les structures lumineuses qu'on aperçoit sont réalisées avec une structure en fer à béton, de base, ce qu'on peut récupérer, ce qu'on trouve à droite, à gauche. Et le petit secret, par exemple, sur les structures lumineuses, c'est le film cellophane. On ne se rend pas compte, mais le cellophane diffuse la lumière. Au travers du cellophane, on aperçoit de jolies couleurs. Des changements de couleurs automatiques et tout. Ouais, est apparue récemment la technologie LED, enfin maintenant depuis quelques années, c'est vrai que la basse tension est très intéressante, notamment au niveau de la chaleur, au niveau de la consommation, on peut se permettre de mettre beaucoup de couleurs à beaucoup d'endroits sans faire disjoncter spécialement la maison de Sylvie, ce qui est plutôt intéressant. Ouais, c'est des nouvelles lampes qui changent automatiquement de couleur. Ce qui est important pour moi, c'est d'aller voir ailleurs pour créer de nouvelles choses, s'ouvrir l'esprit.